Bien, salut à tous pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Pour vous présenter un deck de ma création, c'est un deck maîtrise. C'est celui-ci avec cochon, gobelin, zap, esprit de glace, flèche, gargouille et tour de l'enfer. Du coup, ce deck c'est vraiment un très bon deck. La vidéo va se composer en deux parties. La première partie sera la démonstration du deck et la deuxième partie sera l'application. Du coup, on va commencer tout de suite avec un petit deck. Avec notre deck contre Pitoranto. Du coup, là, je lance un esprit de glace de l'autre côté, mais il lance un bombardier. Là, je lance, et si vous avez vu, désolé si j'avais mal accéléré, avec cochon, zap et gargouille, ça fait vraiment le taf. Là, je défends son géant avec tour de l'enfer. Et sa mousquetaire aussi, je la défends un peu avec la tour de l'enfer et la tour de l'archer. Va l'achever, il a un point de plus d'élixir que moi, c'est niveau 7, je suis niveau 9, ok. Mais s'il a ce niveau, c'est que c'est très bien joué. Du coup, pour l'instant, j'ai un petit avantage en élixir. On va se le mettre en x2, car c'est un peu ennuyant pour vous. Là, on va lancer cochon plus esprit de gel, de glace, et on a laissé la tourelle à 81 PV. Du coup, là, je vais défendre avec gobelin et gargouille. Il y aura que la mousquetaire qui va attaquer, qui va mettre vraiment beaucoup de dégâts. Là, il lance des gargouilles avec un petit gaz brick, mais là, à ce moment-là, j'avais une petite perte de connexion. Je commence à dire, ah, c'est mort, ça y est. Je me reconnecte, il a mis à 519 PV. Ok, et là, je commence à attaquer de l'autre côté déjà. J'ai mis la tourelle à 1642. Je vais achever la tourelle un peu plus tard dans la game, mais ne vous inquiétez pas. Du coup, Je défends le mineur avec des petits gobelins. Je lance des flèches. Et là, je mets barbare et cochon qui vont faire le taf. Avec un petit esprit de glace juste derrière. Pour l'instant, je fais 1-1. Et là, je lance une petite flèche sur la tourelle. Ça fait 2-1. Et là, tour de l'enfer. Et petit gobelin pour défendre le mineur. Mais nous avons gagné 2-1 contre Pitoranto. En plus, j'avais un petit peu de connexion. En fait, la technique, comme vous l'avez vu, c'est me lancer des cochons. Cochons avec gel, esprit de glace et zap, ou sinon le deuxième combo, cochon gargouille et zap, ou sinon cochon gargouille, cochon gobelin et zap, voilà, ou sinon vous pouvez faire tout ça, toute la première rangée, cochon, gobelin, zap, plus esprit de glace, et si vous gérez bien, vous aurez la tourelle assez facilement. Du coup voilà, c'est maintenant nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo, attaque en live, ça fait longtemps, et pour vous montrer que ce deck marche vraiment bien. Du coup, on va attaquer tout de suite. Voilà. Donc, pour l'instant, bon jeu de main. Bon jeu de cartes du début. Du coup, on va lancer un cochon avec des gobelins. Et on va préparer une électrocution, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il est très efficace, cette électrocution. Et regardez, nous avons déjà fait énormément de dégâts à la tourelle. C'est super. Nous avons fait un gros avantage en élixir et en dégâts. Du coup, pour l'instant, nous sommes nickel. C'est un niveau 8 en face, c'est pas grave. Du coup, là je suis en live, bien sûr. Si vous vous doutez. On va lancer des barbares tout en bas. Parce que le mec il veut pas attaquer en face, je sais pas pourquoi. Ok, zappy. Ça va faire mal, zappy. Mais je crois là les barbares sont en ligne. Du coup ça veut dire... Ah ouais voilà. Parce que je croyais que ça voulait dire qu'il va pas tout défoncer d'un coup le zappé. Du coup là on va se lancer ça. Avec ça. Un petit zap, vite 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 zap. Voilà, zap. Comme ça reset le zappé. Voilà, ce deck il est vraiment excellent. Il a fait presque aucun dégât à part avec le poison. Le mec. Donc esprit de l'élixir pour rien. Là on va lancer un petit assaut avec gobelin, cochon et petit sort de gel. Mais ça n'a pas marché. Pas petit sort de gel, esprit de gel, désolé. Esprit de glace. Voilà. Du coup pour l'instant nous sommes nickel. La bûche qui a fait énormément de dégâts. Mais j'aimerais tellement avoir une légendaire. Là je suis en train de rush. Mais j'arrive pas trop pour avoir un coffre légendaire. Mais je galère hein, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'aimerais trop l'avoir, ce coffre légendaire de merde, là. Pour avoir une légendaire. Ce serait fantastique.
Oula. On sait, et bim, on va reset et en même temps nous allons détruire tous les petits squelettes. Au moins c'était génial. Là ça a fait énormément de dégâts. Hop là, hop là. Allez, allez, tourne, 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 zapi. Voilà, ouf. Le zapi qui a tourné, il a failli taper sur la tourelle. De très peu. Mais il n'a pas tapé. Du coup nous sommes nickel pour l'instant, il a fait presque aucun dégât. Nous allons reset. Ah mince. Nous avons pas lancé le zapi à temps, mais, le sort de zap à temps, mais c'est pas grave. Là, bim, petite flèche, bim, hop là, pour l'instant nous sommes nickel. Bim, sort de gel, esprit de gel, désolé, avec ça, voilà, nickel. Et voilà, nous avons fait, voilà, c'est vraiment un deck maîtrise, car il maîtrise la partie, avec presque, on a toutes les cartes pour défendre. C'est ce deck que vous avez dit la dernière fois, pour maîtrise à la partie avec géant et esprit de glace. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup d'or car j'ai eu un coffre géant. Voilà, j'ai eu un coffre géant mais il n'y a rien de spécial dedans. Du coup, c'était vraiment une très très belle partie. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.